En couture. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. We would like to give the floor to Nguyen Chi's à présent, la parole est donnée à la défense de Nguyen Chi qui pourra interroger le témoin. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères, Madame le témoin. J'ai quelques questions à vous poser. Je suis l'avocat international de Nguyen Chi. Let me start by asking you tout d'abord about the death of your father in 1971. De la mort de votre père en 71. To the investigating dans judges, votre procès-verbal d'audition, you said that is on page 2, document E3474, that he was killed due to a bombing by Lomnol aircraft. À cause de bombardement Could you d'un avion de Lomnol. Tell us what happened exactly? Que s'est-il passé exactement? Réponse. Good afternoon, Your Honors. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. The crimes that was committed against my father took place in Le crime Svaytip. Commis I contre mon père a eu lieu à Svaytip. Je n'en ai pas été témoin. But my uncle came to the house Mais and mon told oncle me that est venu my à la maison father et m'a dit died. Que mon père était mort. Due to a bombardment Suite in Svaytip, he was bombardement hit by à Svaytip. A bomb that was dropped. Il a été touché par une bombe qui avait été larguée. And how did he know Question. That it was a bombing Comment savait-il by Lono aircraft? Qu'il s'agissait d'un bombardement effectué par un avion de Lonol? That was a war Réponse. Period, and C'était there was la the, guerre. The liberated side and the Il y avait side. Le camp des forces de libération and et le camp de Lomnol. Du côté des forces de libération, nous n'avions Only pas d'avion. Seul le camp de Lomnol avait des avions. So, usually, they would drop Généralement, bombs where the des bombes étaient larguées là où il y avait des soldats qui étaient stationnés. Ces avions venaient de Phnom Penh. Do you know if your father was the only casualty Savez-vous or si votre or more père people killed? A été la seule victime ou si d'autres gens ont également été tués? Did not ask him the details. Je ne lui ai pas posé I de questions sur les détails. My father J'ai was juste one of entendu the casualties. Que There mon were other casualties, était but I une didn't des know victimes. How many exactly. Il y avait d'autres victimes, mais je ne savais pas exactement combien. Do you know if Question. That bombing Savez-vous and the death of your father si was ce bombardement et la mort brothers to join the revolution? De votre père a été la raison pour laquelle votre frère a rejoint la révolution 71? En 70 et en 71. First, Réponse. Only one of my elder brothers Initialement, joined, l'un seulement de mes frères aînés a rejoint ce mouvement. Stayed mon with deuxième my father, frère est resté avec my mon père. Away, après la mort de ce dernier, ce deuxième joined. Frère aîné, lui aussi, a rejoint ce mouvement. Question. Your statement with the investigating judges that Dans your le procès-verbal brother de Hoon vous dites joined que votre Liberation frère Army Hoon a rejoint l'armée de libération
en 70. You also stated, testified that he visited home four times after he joined the Liberation Army. À la maison après avoir rejoint l'armée de libération. Do you remember that he, while he was d'après vos souvenirs, a member of the Revolutionary alors qu'il faisait partie des forces de la Révolution, est-ce qu'il est allé vous rendre visite, à vous ainsi qu'à vos frères et sœurs? Réponse. No, your question is not correct. Non, ce que vous dites n'est pas exact. He actually joined the army before il a rejoint his visits. Les forces armées avant ses visites. It is not the other way around. Ce n'est pas l'inverse. Maybe question. Something wrong in the translation, il y a but that's what I actually un meant. Problème d'interprétation, mais c'est bien cela que je voulais dire. You stated in your statement that your brother visited home four times after he joined the army. Vous that dites que votre frère est allé en visite à la maison quatre fois après avoir intégré l'armée. Est-ce exact? Yes, as I réponse. Stated, oui, he joined the comme je l'ai dit, il a rejoint les forces armées, il y est resté quelques années, visit. Ensuite il est venu en visite. I know it's a long question. Time ago, je sais que cela remonte à longtemps, him mais about vous souvenez-vous s'il vous a raconté des histoires sur battles, des batailles I mean with, contre military. L'armée de Lon-Nol auxquelles il aurait participé? Yes. He réponse. Told me about effectivement, the battlefields that il m'a parlé des combats auxquels in, il avait participé, Kdam, y compris à Prekdam, à Prekpneu. And actually my second elder brother died mon deuxième in the frère Prekpneu aîné battlefield. Est mort sur le théâtre de l'opération de Prekpneu. Question. That he was in, que vous a-t-il dit des combats auxquels il avait participé contre l'armée de Lon-Nol? Est-ce que vous vous en souvenez? He réponse. Talked precisely about the il a battlefield parlé in précisément du champ de bataille de Prekpneu. Do you question. Remember if he ever told you stories vous about a-t-il raconté Lon-Nol soldiers or Lon-Nol military being captured que des soldats de Lon-Nol avaient été faits prisonniers par lui-même, par d'autres unités ou par d'autres unités des forces armées révolutionnaires? No, he réponse. Did not talk about that. Non. He came to visit us because il est venu nous rendre visite parce que nous lui manquions. Il a passé return. Quelques jours avec nous et puis il est parti. The fact that you question. And your deceased brothers vous et vos défunts frères, no, let me rephrase. The je fact vais reformuler. That, your brothers joined the revolutionary forces, vos frères ont rejoint was that for les forces also to join révolutionnaires. The revolutionary forces? Est-ce que cela a été une des raisons pour lesquelles vous avez vous-même rejoint les forces révolutionnaires? In fact, réponse. I was not aware of those stories. Je n'étais pas au courant de ces histoires. To visit us, c'est seulement he après told me avoir rejoint le mouvement stories. Lors de ces visites que did j'en ai entendu parler. Question. About vous a-t-il execution jamais of captured Lon-Nol parlé soldiers? D'exécution de soldats de Lon-Nol qui avaient été faits prisonniers? I did not hear that from him. Il ne m'a rien dit de tel. No, I understand question. From your statement that he d'après ce que vous dites, je crois comprendre was part of the Liberation qu'il Army faisait in partie the North Zone. De at one point you l'armée joined révolutionnaire de la zone the nord. Forces vous-même, as well, but vous avez rejoint the les forces zone. Révolutionnaires, mais dans la zone est. Do you know
why he went to the north zone. Savez-vous pourquoi il est allé dans la zone nord alors que vous êtes allé dans la zone est? We originated from the east zone. Nous venions de la zone est. C'est pourquoi j'ai rejoint le mouvement dans la zone est. Quant à lui, he went for his business in Svay Tip in Boknaul. Il est allé à Svay Tip à Boknaul. So when avant the war le coup d'État pour affaires. He did not return home. Quand la guerre a éclaté, il n'est pas rentré à la maison. Il a rejoint l'armée à cet endroit-là. Question. Madame Witness, earlier this morning, Madame, you testified about ce matin, yourself joining the vous avez revolutionary dit avoir forces. Rejoint les forces révolutionnaires. And if I have it, if I wrote it down correctly, si you said that bien you pris note, were a member of a third group of a platoon of female combatants in the East Zone. D'un groupe de combattants dans la zone is that correct? Est. Est-ce exact? I was an ordinary réponse. Female combatant. J'étais une combattante ordinaire. I was assigned to a to a group of 100 soldiers. À un I groupe was in the third de 100 squad soldats. Je in faisais the partie de la troisième équipe du deuxième peloton company. De la 13e compagnie. And your rank question. Was that of an ordinary soldier. Et vous étiez un soldat is ordinaire, n'est-ce pas? Yes, I réponse. Was an ordinary oui. Female combatant. J'étais une as combattante I said. Ordinaire, comme je l'ai dit. I was in the third squad. Je faisais and partie I was a member de of the squad, not la a troisième squad leader. Équipe. J'étais membre et non pas chef. In that squad. Je n'avais aucun rôle particulier. I was simply a member. Dans and ce groupe. Squad was under the platoon. Ce groupe relevé d'un and peloton that platoon was under lequel the company relevait 13. De la 13e compagnie. And this question. Company 13 cette was 13e ultimately under compagnie the Division 203, do I say that correctly? Relevait de la 203e division, n'est-ce pas? Réponse. 203 is not a code name for 203, a division. Ce n'est pas un nom de code de division. 203, it is 203 for a sector. Cela renvoie à un secteur. The, on the east side of the Mekong River. À l'est du Mekong. Within that zone. Dans cette zone. It is not division 203. Ce n'est it pas is la 203. Says the witness. Division, c'est la zone 203. Yes, you're right. I'm sorry. Question. Would you be able to mes tell excuses. If your battalion was est-ce que votre bataillon part of faisait partie a division, d'une division for instance, the third division or the fourth par division, exemple la troisième, la quatrième, la cinquième. In fact, there were not many female combatants. Il n'y avait pas beaucoup de combattantes. And the female one only composed within a squad, and we did not expand into any female combatant division. Nous ne sommes pas it devenus was newly une created, division de and combattantes. There were limited numbers of female combatants. L'unité venait d'être créée. Il y avait peu de combattantes. But were you ultimately part of mais faisiez-vous a larger partie group, d'un plus vaste groupe called a division? Qui était une division? I réponse. Don't really understand it. As I said, female combatants je ne comprends pas did bien. Not comme expand dit, up to a division. Les combattants there n'ont could pas be formé de division. Thousands of soldiers within a division, au but sein our division, female combatants il y avait des milliers de soldats, in limited number. Mais il n'y avait qu'un nombre limité de combattants. I understand, but was your group question. Je comprends bien.
Although they were small, the group was Mais même small, si votre groupe était petit, est-ce qu'il faisait néanmoins partie d'une entité plus vaste? Autrement dit, est-ce que votre peloton a part of a bigger division? Faisait partie d'une division qui était plus grande? No. Réponse, non. Were you ever Question. Actively engaged in battle Avez-vous jamais with participé activement à des combats military? Contre l'ancienne armée de Lon-Nol? At that time, Réponse. We actually received à l'époque, a training and nous at avons the conclusion été of the training, the war et à ended. La fin That de is, la formation, ended with la the guerre a pris fin avec April, la libération and then le 17 avril. Ensuite, and turned nous avons été démobilisés unit. Et nous avons intégré une unité so mobile. You never have been fighting? I understand from you. Have you si je comprends bien, vous n'avez donc jamais combattu. Avez-vous participé à la libération de Phnom Penh? Didn't that happen also? Ou non? No, I was not part of non, the liberation. Je n'ai pas participé but à la libération. Mais après to celle-ci, do the cleaning. Je suis venu faire du nettoyage. But I was Question. Much later, Mais ça, after c'était 17, bien April 75. Plus tard, is that correct? Bien après le 17 avril 75, n'est-ce pas? You mean immediately Réponse. After Vous voulez dire in 1975? En 1975? Actually, my journey to Phnom Penh, I described it already this J'ai déjà parlé morning. De la manière dont We je suis allé à Phnom Penh ce matin. And J'ai I dit que nous avons fait went du nettoyage. Elsewhere, then I returned to Phnom Penh to que je engage suis allé in the ailleurs sewing et que je factory. Suis revenu à Phnom Penh à l'usine de couture. I'm trying to Question. Ask you Maybe in other words, where were you in the weeks and months after 17 April 75? Où étiez-vous durant les semaines et les mois qui ont suivi le 17 avril 75? C'est ça que j'essaye de vous demander. Réponse. After the liberation. Après la libération. In 1975, I en was in district. J'étais dans le district de Chungcheriek. There for two or three J'y suis resté months, deux and ou trois mois. Came to Puis, Phnom Penh. Je suis venu à Phnom Penh. Now, I would like to ask you a few Question. Questions about the training J'aimerais vous interroger sur la formation you just que vous avez reçue. That vous venez de dire almost at the during the days that Phnom Penh was liberated you finished your training au moment de la libération de Phnom Penh, do you remember vous avez achevé la formation a part of the training was est-ce que celle-ci portait entre autres the treatment of Lon-Nol soldiers le traitement des soldats de Lon-Nol were captured après after a battle leur capture sur le champ de bataille The training purpose was to prepare us to engage in the battlefield, but as I said, we did not engage in any battlefield due to the liberation on the 17th April 1975. I understand, but do you remember if there were instructions? Mais vous souvenez-vous si les instructions ont été données au cours de ces formations concernant le traitement à réserver aux soldats de Lon-Nol were captured or became après prisoners leur of war. Capture ou après qu'on en aurait fait des prisonniers de guerre. Uh,
We réponse. Were simply combatants, but nous we did not know the reality that existed in the front battlefield. La réalité we did not know what would happen to those captured soldiers and whether they were tortured or not. Arriverait aux soldats capturés. Nous ne savions pas s'ils étaient torturés ou non. Do you remember in the question. Months after 17 April durant 75, les mois qui ont suivi le 17 avril 75, what happened to captured vous souvenez-vous have you ever de ce qui est arrivé aux soldats de Lonol qui avaient été capturés? Former Lonol soldiers avez-vous who été had been captured? Témoin du traitement d'anciens soldats de Lonol qui avaient été capturés? No, I réponse. Did not see that. Non, I je never saw it. N'ai jamais vu cela. I saw people who were evacuated j'ai from vu des Phnom Penh, gens qui avaient été évacués de Phnom Penh. Came to Phnom Penh. Par la suite, so nous sommes venus à Phnom Penh, of that nature. Et donc je n'ai rien vu de tel. Do you remember whether question. You ever heard something about the targeting of Lonol soldiers or maybe even execution of Lonol soldiers in Phnom Penh or around Phnom Penh in the months after 17 April 1975? At that time, réponse. No such information à l'époque, was provided. Aucune information de ce type n'était communiquée. Nous restions au même endroit. Nous ignorions ce qui se passait ailleurs. We were only aware of what we nous savions and uniquement did. Ce qui se passait là où nous travaillions et ce que nous faisions. Mrs. Witness, you question. Madame gave a statement to the OCIJ. That would be page 3 in the middle, page 3, document E3474. Document E3-474 au milieu. There you stated as follows. Voici ce que vous dites. I requested to stop j'ai and volunteered to join a women's unit of East Zone, porté volontaire pour rejoindre led by Sao Pin. Une unité de femmes de la zone Est dirigée par Sao Pin. What do you mean, or what did you mean when you said that your unit que voulez-vous by Sao dire Pim. Quand vous indiquez que votre unité était dirigée par Sao Pim? I wanted to say that réponse. When the female unit je was established, que lors that de unit la création was established by the zone committee, cela a and été the purpose fait of par le recruiting comité a female zone. Unit. La création for the for d'une transportation, and we were given training in order to nous engage in any foreseeable battlefield. Dans la perspective d'une participation éventuelle Sao Pim à des never combats. Came mais Sao Pim us. N'est jamais venu nous rencontrer. But we were part of the East Zone nous faisions military. Toutefois partie de l'armée de la zone Est. So your question. Unit was part votre of a bigger unité faisait donc bel et bien partie d'une entité plus vaste dirigée par Sao Pim. Understand that correctly? N'est-ce pas? Réponse. Yes, that is correct. Effectivement. And when you say question. We were led by Sao début Pim, inaudible. This means that not literally in the sense of being led by a commander, vous dites dirigé par Sao Pim, ce n'était Sao pas Pim au sens littéral, dans le sens où Sao Pim aurait été un commandant. The top commander of the forces that you belong to. Would that be correct? Comme le début de la question n'a pas été audible, l'interprète ne peut que deviner le sens de la question. Yes, that is correct. Réponse, c'est exact. He actually created a female unit il a créé une unité de femmes pour le transport de la nourriture vers les champs but de bataille he du front. Il ne supervisait pas l'unité de femmes au jour le jour. Do you know a person called Seng Hong?
question. Connaissez-vous une personne du nom de Seng Hung? I don't seem to be familiar with that name. Je ne pense pas. And I have not heard that name before. Je n'ai jamais entendu ce nom. Question. Do you know who was the Savez-vous zone deputy secretary qui était le secrétaire adjoint de la zone Est in the period 75-79? Entre 75 et 79. I was a lowest rank combattant. J'étais une combattante d'un échelon subalterne. Commander Je ne connaissais people. Pas les commandants suprêmes. Do you know a person called Question. Kef Samnang? Connaissez-vous une personne du nom de Kef Samnang? No, I don't. Réponse, non. Question. If I tell you that he was the chief si of the Eastern Zone military staff, does that ring a bell? Le chef d'état-major de la zone Est, est-ce que cela vous dit quelque chose? No, it doesn't ring a bell. Réponse. Non. I never Rien du tout. Knew this person. Je n'ai jamais connu cette personne. You know a person called Li Pen? Connaissez-vous quelqu'un du nom de Li Pen? I do not Réponse, know this name. Non. Do you know a person Question. Called Pu Hak? Connaissez-vous une personne du nom de Pu Hak? Response. No, I don't. Réponse. Non. I was too young to know these people. J'étais trop jeune pour connaître ces gens. If I tell you that he was the commander in the Eastern Zone of the 3rd Division, si je vous dis qu'il était commandant de la division de la zone Est, la 3e division de la zone Est, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Response. No, I'm afraid not. Non, pas vraiment. Does the name Paul Sarung sound familiar? Est-ce que le nom Paul Sarung vous dit quelque chose? Response. No, it doesn't. Réponse, non. Question. Does the name Kri ring a bell? Qu'en est-il de Cree? Response. No, it doesn't. Réponse. Non. Mr. President, I have one Monsieur more le président, question j'ai une autre question à poser to this witness in respect of a name à propos d'un in nom the Eastern Zone. De quelqu'un dans la zone Est. You know him as TCW-223. Sous la cote. TCW I would like to ask 223. To get leave to show the witness la permission. The name of TCW-223 on de a piece of paper. Le nom du témoin and simply ask 223 sur un morceau de papier the witness au témoin et lui demander si the name is familiar. Elle connaît ce nom. And without mentioning the name, Donc, if then she could, nom, if she knows him, describe haute, elle pourrait his dire functions si elle le connaît, in the Eastern Zone. Elle pourrait décrire ses fonctions dans la zone Est. The President, you may proceed, oui, but also please indicate to specific time frame when this witness may know this particular individual. Pendant laquelle le témoin aurait pu connaître court officer is not directed to bring the document from counsel to the witness. Au témoin.
Does his name sound familiar, Maître Copain. Madam Witness? And I'm specifically asking about the period 1975, April 75. Avril 75. Response: I never known this person. Je n'ai jamais connu cette personne. Jamais. I have just learned his name and his face very recently through watching TV. Regardant la télévision. Thank you, Mr. President. Maître Copain. Merci, Monsieur le Président. Now, I would like to hand over to counsels for Mr. Kyusampon to put some questions to the witness. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Bonjour, President. Madame. Good afternoon, Madame Witness. Je suis Arthur Verken. My name is Arthur Verken. Je suis un des avocats internationaux de M. Kyusampon. I'm one of the international lawyers representing Et je vais vous poser quelques questions. I shall ask you a few questions. Et la première concerne la session de formation à laquelle vous dites avoir assisté. The training sessions that you stated. You attended. Aurait été donné par M. Kyusampon. These were training sessions. Et je voudrais parler un petit peu avec vous de la date de cette session. Ce matin, M. le procureur vous a lu un passage morning, de votre entretien avec les enquêteurs du tribunal qui a eu lieu le 5 mars 2008. Et dont le passage que vous avez lu et que vous avez confirmé, vous aviez notamment dit que, je cite, la première formation tenue à Borekela en 1976 était dispensée par Kyusampon. Fin de la citation. Given by Kyusampon, vous confirmiez ou affirmiez la date de cette formation donnée selon vous par M. Kyusampon comme étant 1976. Session was given by Mr. Kyusampon in 1976. Response. It was in late 1976. C'était à la fin de l'année 76, oui. It's almost reaching 1977. C'est it was very late. C'était très tard en 1976. D'accord. Ce matin, vous avez fait une petite allusion concernant la date. Lorsque vous parlez de cette réunion, vous avez dit when you talked about this study session, Kyusampon ne voulait pas que l'on se dispute, Kyusampon mais que l'on s'unisse, car la guerre venait de se terminer. Unite, because ce qui m'intéresse, c'est le passage où vous dites que la guerre venait de se terminer. And what I'm interested de quelle guerre in parliez-vous ce matin lorsque vous avez fait your cette sentence, remarque au procureur? The war had just ended. What war were you referring to in the response you provided to the co-prosecutor? Response. I was referring to the war in Cambodia because there were one war after another, and when the wars ended, he asked us to make sure we unite and work together to rebuild the country, and we were still very young. It would be best that we worked together to grow farm, to do farming, to help que the country. Nous unissions et que nous fassions de l'agriculture pour aider le pays. Je vous remercie. Donc, thank si you. Je comprends bien, cette guerre dont if vous parliez ce matin, correctly the war that you c'est celle referred to qui this s'est morning, achevée par la victoire du 17 avril 1975. C'est bien cela. Ended with the April 17, 1975 victory. Is this correct? Yeah.
centrale. Response: Yes, it is. Oui, c'est exact. Toujours pour être certain de bien situer dans le temps in the interest of clarity, la session de to make formation sure donnée par that we are all clear on when the study sessions occur, these study sessions that were chaired by Mr. Kyo Sampan. You also testified this morning in response to a question put to you by the co-prosecutor. Si c'était la première fois lors de cette session de formation donnée par Monsieur Kyo Sampan que Kyo vous entendiez parler de traître. Study session, if it was the first time you had heard about traitors, avant. And that prior to that first study session, you had never heard of any discussion about traitors. Is this correct? Yeah. Response: Yes, it is. C'est exact. Donc, madame, est-il exact, et dites-moi si ce n'est pas le cas, que sur les deux sessions de formation auxquelles vous dites avoir assisté, celle à laquelle aurait participé M. Kyo Sampan est la première, et celle à laquelle aurait participé M. Nguyen Chea est la seconde. And Mr. Nguyen Chea would have chaired the second study session. Is this correct? Response. I think it is rather confusing in that question, or perhaps you misunderstood me when Kyo Sampan was lecturing in the session. He didn't mention anything about traitors, because only at the later date when he talked about this. During the first session, he mentioned more about rebuilding the country, and only in the second study session or meeting in which he mentioned about that. Vous dites que M. Kyo Sampan a donné deux séances d'études, ou lorsque vous parlez de la deuxième séance d'études, vous parlez de celle donnée par M. Nguyen Chea. Est-ce que vous pouvez préciser, madame? Or are you talking about the second study session that would have been presided over by Mr. Nguyen Chea? Can you please specify? Response. I said I attended the study sessions at Borai Kela on two occasions, the first session and the second session. The first session was conducted in late 76, early 1977. At that time, à cette époque-là, arrests were not yet made, no traitors were being mentioned. But in 1978, during the second session, then these terms were mentioned. So again, during the first session I attended, no mention of traitors being made. He only educated us on how to promote our solidarity, work, encouraged us to work together to make sure our country was prosperous. And that was the session in 1976, May 1976, early 1977. During the second study session, la deuxième séance d'études, the topic of traitors being discussed. On a parlé des traîtres. Qui donnait cette deuxième séance d'études? Who led the second study session? Who spoke? Qui enseignait? Who was the person who led that study session? Response. Uncle Kyo Sampan was chairing the second session, and the first session was chaired by Uncle Nguyen Chea. Nguyen Chea qui l'a présidé. Est-ce
Ce matin, madame, vous avez indiqué le contraire. You testified le procureur to the contrary. Vous a lu the co-prosecutor read un extrait de votre audition du 5 mars 2008, an excerpt from your written record of dans lequel vous indiquiez que witness from the 5th of March, la première session de formation and you stated that the first tenue à Borekela en 1976 était dispensée par Kyosampan. In 1977 loin, was chaired by Mr. Kyosampan, sur la même page, la page 4 de la version française, page, vous disiez que M. Nyonchia avait également animé une session de formation à Borekela en 1978. In 1978. Je sais bien que ces faits sont anciens, mais I know that these facts je m'interroge sur la teneur exacte de votre témoignage aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons retenir exactly sur les dates? Qu'est-ce que nous devons retenir is. Ce would que you vous remember, aviez dit about the dates aux enquêteurs en mars 2008 to the ce que vous venez de dire à l'instant qui est l'inverse. In March 2008, because what you have just testified now seems to be the opposite of what you said back then. Response. I believe that perhaps my response was not right to the order of the questions. I can say that my memory is not as good as it used to be because this happened long time ago. The fact is there, two of them would be chairing these events. Les deux ont présidé les séances. And I attended the sessions when they et lectured. Je suis allé aux séances d'études alors qu'ils les présidaient. Je vais vous poser une question un peu générale, mais vous y répondrez comme vous souhaitez. Est-ce que vous êtes certaine d'être capable aujourd'hui de faire la distinction et d'attribuer tel propos à Kyosampan ou tel autre propos à Nyonchia? Est-ce que vous en êtes capable ou est-ce que c'est difficile pour vous? Kyosampan or what may have been said by Nyonchia, or is such an exercise too difficult for you? Response. I would like to now state clearly and choose to say that during the first session, Uncle Nyonchia was chairing the meeting, and the second one was chaired by Uncle Kyosampan. Alors je suis un peu surpris, madame, parce que vous dites deux choses contradictoires. Vous dites que vous êtes sûre aujourd'hui et en même temps vous dites que votre mémoire est moins bonne. Je vous ai rappelé avant de commencer à vous questionner sur cette question de la date des sessions. Ce matin, en répondant à Monsieur le procureur, vous avez précisé que lorsque Monsieur Kyosampan avait donné une formation, la guerre venait de se terminer. The study sessions at the time vous avez également dit que vous n'aviez jamais entendu parler de traître avant. And that prior to that date, you had never heard si about any any discussion of traitors. De M. So if Nunchia's study avant session celle took de place Monsieur before Kyosampan, Mr. Kyosampan's study session, vous auriez entendu parler de trahison, puisque then you vous would dites have heard about et vous avez dit aux enquêteurs que M. Nyonchia avait parlé de trahison. Investigators, alors est-ce que les choses sont aussi claires que vous that l'affirmez, you madame, had dans votre esprit? That you had not heard about treason. Are things very clear to your mind? Response. That's what he said c'est ce qu'il at a dit that time. À l'époque. He said in the north il a dit, zone, dans la zone nord, people there were some traitors. Il y a des traîtres. That's what he only referring to the north zone and the traitors, but he didn't mention names of individuals who were believed to be traitors. De personnes qui étaient supposément des traîtres.
Et quand vous dites « il », vous parlez de qui, là, de Nunchia ou de Chusampan, excusez-moi, mais je me perds. About? Are you talking about Nunchia or are you talking about Chusampan? The response. I was referring to Mr. Chusampan. Je faisais référence à Monsieur Chusampan. Monsieur le Président, je souhaiterais faire entendre I would seek à ce témoin l'audio, un extrait de l'audio de l'entretien qu'elle a eu avec les enquêteurs du tribunal le 5 mars 2008. That this witness participated car comme in with nous savons ici, investigators on les the 5th of March 2008, as we are témoin, well aware, écrits que nous avons sont des résumés des discussions orales, qui sont certes signés par les témoins, of the oral mais dans certains cas, and that has been signed. Nevertheless, l'entretien lui-même et la manière dont il se itself, déroule nous permet d'en apprendre beaucoup sur les conditions dans lesquelles une personne vient à parler de certains sujets. In which a person was en l'occurrence, asked je pense to address a particular subject. Sur la question de ce que M. Chusampan dit, as to what non Mr. Chusampan à la session de formation supposedly said or did not say at the session, at the study session in question, assez capital et permet de comprendre un petit peu la teneur be made clear by the de audio la position de passage, cette personne. And should further la décision de votre chambre this witness's testimony. De faire venir ce témoin à la barre étant toute récente, as nous n'avons pas été en mesure has only recently decided to call this witness d'obtenir to the stand, des traductions officielles, we were unable comme ça a été le cas, to obtain an official des translation audios, of the audio transcript. Des traductions qui ont été effectuées par l'interprète qui est mis à notre disposition However, par le tribunal, I do ce sont have des traductions, c'est une traduction officieuse. Je la tiens aussi an à votre unofficial translation that was provided to me by a staff at this court. Technique du tribunal, and I have que, already provided notice to the audiovisual à unit directement, to témoin, passage, make le passage a de son entretien de mars 2008 où elle évoque la session de formation interview that was conducted by the court's investigators on the 5th of March 2008 with respect to Mr. Chusampan's participation in the first study session at Barrichello. The President, counsel, could you please be more precise as to why you would like this recording to be played back? Faire écouter and cette to which particular fact this video cela porte. Recording is referring. Sur quel fait and dont nous sommes saisis. Please also identify the exact minutes. Et veuillez aussi identifier les minutes starting point and the ending point quand of the portion of the recording sur la bande that you would like to be played so that the chamber is able to instruct que la chambre puisse donner les bonnes instructions aux personnes concernées. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Yes, eh bien, of course, Mr. President. Le sujet, the subject, c'est très exactement celui qui a justifié la venue de ce témoin serves à la as demande the basis du procureur, for calling this witness to je lis, the stand following the la notification des coprocureurs the notification en réponse of the co-prosecutor à la demande in de la juriste hors classe concernant la dernière réunion de mise en état du 13 juin 2013. Following the trial management c'est le meeting of the 13th of June. This is document part de fraction 3. 288/3. Le bureau du procureur sollicite l'audition de ce témoin en disant TC 164 décrit les sessions d'endoctrinement politique à Borrichello, who describes the political situation in a expliqué l'arrestation de Pang
que son pan discusses du bureau 870 parce qu'il était un traître et s'était rallié aux Vietnamiens. Office 870 because he was a traitor and he had he was serving the Vietnamese. Faire entendre à la chambre. And this is exactly why. Très exactement sur le moment où cette question est abordée en mars 2008 avec le témoin. Like et to revisit what was said on the 5th of March 2008 and the audio recording is classified under D 94. Et l'entretien se déroule depuis la minute numéro 34 et 31 secondes jusqu'à la minute 37 et 52 secondes. For approximately 7 minutes, or rather the recording begins at minute 32, corrects the interpreter. Oui, merci Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Counsel Verken, what the chamber seeks to... can you hear me? Un, deux, trois. M'entends pas. Est-ce que l'on m'entend? Counsel Verken, are you able to hear me? Perhaps he needs to change his headset. Nous n'avons pas de son, Monsieur le juge. Your Honor, we have no sound. Ce micro m'entend. Are you able to hear me if I speak in this microphone? Là, on m'entend? The President, Judge Levine, could you please hold on? We appear to have some technical glitch regarding this interpreting equipment. Que les consoles fonctionnent. People concerned already looking into it. La régie s'en occupe. The President, Judge Laverne, you may now proceed. Monsieur le juge Laverne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. J'espère qu'on m'entend maintenant. I hope I'm being heard. Bien, donc ce que nous aimerions avoir comme clarification, Maître Verken, c'est ceci. With clarity, vous demandez à ce qu'il soit procédé à la lecture de l'enregistrement audio d'une partie de l'audition of du one témoin. Part of the audio recording et nous voudrions of the savoir interview involving pour quelles raisons précises we would like to know vous demandez the reasons, à ce que l'on entende cet enregistrement you are asking audio. The trial chamber to est-ce hear qu'il y a this specific des clip from divergences the audio recording? Quant au contenu de, du procès-verbal écrit the substance et of de the l'enregistrement audio? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une interview? Question simplement de ton employé pour interroger le témoin. Establishing si c'est the simplement tone, une question de ton, même si on l'entend, ça ne pourra pas se traduire dans les trois langues. Interview bien was sûr, conducted. Il y a des divergences, if it's a matter of tone, sinon, it's not something that can be interpreted. Absolument. Answer. Oui, il y a yes, non seulement certainly. Des divergences, there mais également differences and discrepancies, une évolution dans la déposition qui apparaîtra à la traduction sans aucune difficulté. Il ne s'agit pas du ton employé, d'ailleurs, which, dont j'ignore tout. Should be interpreted and conveyed in all three languages quite easily. This is not just a matter of tone used.
Le président. We would like to hear from the co-prosecutors. Nous aimerions savoir ce qu'en pense l'accusation. To see whether they would like to accept it or not. Êtes-vous d'accord? We don't object. Thank you. Nous n'avons pas d'objection. Merci. The president, indeed, counsel Verken, you may proceed. Maître Verken, and now AV booth officers are now directed to play this portion of the video of the recording for the court. Entendre la bande enregistrée. This document is the 94/8R, starting from 33:31 à 36. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, l'extrait commence à 34:31 et termine à 37:52. Ends at minute 37:32. The President, indeed, now this portion must be played starting from 34:31 jusqu'à 37 secondes à 32 secondes. 37 minutes 32 secondes. Excusez-moi, c'est pardon me. 37 minutes 52 secondes. Minute 37 second 52. The President, that's what we already understood. Oui, c'est ce que nous avions compris. Or perhaps the message was not clear through the rendition, but now the Chamber already allows the portion as requested by counsel for Mr. Kilsompon to be played. Vous pouvez faire so the message is now clear that the portion that clair, you have requested is to be played. Partie de la bande audio que vous avez demandé sera entendue. At that time, did he come alone? À ce moment-là, est-il venu seul? He's a man of power. Vous pensez que c'était quelqu'un de puissant? Was he cruel? Était-il no, cruel? He was not. He was normal. Non, il ne l'était pas. Il était normal. And he came to the factory while we were il est venu eating, à l'usine alors que nous étions en train de manger et il nous a regardé. President, there is no video. Is it il n'y a pas de vidéo. Audio record or video record or video clip? Ou est-il un extrait vidéo? AV unit, please stop. Je demande à la régie de Council, faire cesser. You may proceed. Maître, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il n'y a pas de vidéo et surtout, il y a eu un petit temps de surprise, je pense, à cause du niveau sonore. Et la première phrase concernait exactement la date qui avait été donnée, n'a pas été traduite en français. Donc, elle m'importe beaucoup. Donc, je souhaite que wasn't translated into rembobine French, and I think that's very et que l'on recommence so I'd like us to, sa diffusion afin que le premier échange soit bien traduit, so s'il vous plaît. Start from the very beginning and hear that very first sentence or two. President, AV unit, please replay that audio clip. De faire jouer le bande audio à nouveau. When did you meet him? Quand l'avez-vous vu? It was 76. C'était en 76. Did he come alone? Yes. Est-il venu seul? Oui. Was he of a man of power? Était-il quelqu'un de puissant? He was normal. Il était normal. Question, was he question. Cruel? Était-il and, cruel? Réponse, no, non. He was normal. Il était normal. He came to the factory il est venu while we à l'usine eating. Alors que nous étions en he train de looked manger. At us. Il nous a regardé. Question. Question. When he Kilsompon came to quand teach in 76, est venu enseigner en 76, how many workers
attended and was it at Borekela? Était-ce à Borekela? Réponse, oui, c'était à Borekela. And what was the content? Question, was et quel était le contenu? Réponse, c'était la même chose. Did he speak of anything else? Question, a-t-il parlé d'autre chose? Réponse. It's a yearly meeting. C'était une réunion annuelle. He talked about to fulfill the quota, how many tons per hectare, and that we should établis, combien de tonnes par hectare et que nous devions économiser. Question, anything else? Question, autre chose? Answer, réponse. During that study, pendant cette séance d'études, we were asked to complete the quota, otherwise we need to criticize ourselves why we could not complete the quota of solving. Did he talk about the politics? Question. Answer. He talked whether we had our sufficient food. Question, did he talk about the Vietnamese invasion? Question, a-t-il parlé de l'invasion vietnamienne? No. Réponse, non. So he spoke differently from what Nguyen Chi did. Donc il a dit quelque chose différent de Nguyen Chi. Did he? Because you said Nguyen Chi spoke about the treason. De la trahison. Answer, regarding the traitor, the treason in the north, it was different. Dans le nord, c'était autre question, chose. What did Kyu Sampong say? Qu'a dit Kyu Sampong? Answer, réponse. He said Pong was a traitor. He was part of the traitorous network. Il faisait partie du réseau de traîtres. And did you... He was arrested because il a été arrêté. He was accused of being a traitor and collaborating with the Jun. And did you know where Pong was taken? Savez-vous où Pong answer, était he said only that réponse. Pong was arrested il a dit simplement and taken que Pong away. Avait été arrêté et qu'il avait été emmené. Question, what did you know about Office 870? Answer, I only heard he spoke about Office 870, but I did not know what it was. J'ai seulement entendu qu'il parlait de ce bureau 870. But my sewing unit was also part of that big Office 870. On faisait aussi partie de ce grand bureau 870. Question, did he say that? Answer, yes. L'a-t-il dit? Oui. Question, did he say anything else regarding the arrest? A-t-il dit autre chose? Answer, no, only nearly the fall of the regime people had been arrested. Vers la fin du régime, seulement des gens étaient arrêtés. Les interprètes signalent que la qualité de la bande ne permettait pas un travail exact et correct. Merci. Effectivement, Monsieur le Président, puisque deux passages qui m'intéressaient particulièrement n'ont pas été traduits en français. Je sais parce que mon équipe qui écoute le Khmer me confirme qu'ils ont bien été entendus en Khmer. Mais en français, ces deux passages ont sauté. Alors je ne sais pas comment faire. Est-ce que je demande que ce soit réécouté ou est-ce que je vous remets la traduction en français qui a été effectuée par notre bureau en collaboration avec l'interprète du tribunal. I should submit you this French translation that was done by a tribunal interpreter. Ou est-ce que je vous lis les deux passages qui m'intéressent. The two passages that I'm interested in.
Le président. Judge Lavergne, please la take the floor. Au juge Lavergne. In order to respond to the last part raised by an international counsel for Kyiv Sampson. De l'avocat international de Kyiv Sampson. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que nous voulons vous faire savoir, Maître Verken, c'est que vous pourrez demander une traduction officielle au service de traduction tribunal de la partie que vous estimez devoir être traduite entièrement. Mais pour aujourd'hui, on ne peut pas se fonder sur une traduction non officielle pour continuer l'interrogatoire de ce témoin, sachant que nous ne rappellerons pas ce témoin. To continue interrogating this witness, who, don't let us forget, is not going to be recalled. Ne le rappellera pas, c'était justement la difficulté qui était la mienne. Yes, I'm aware that she will not be recalled to this court, and that is precisely my difficulty. Nous rejoignons le débat sur la longueur des mémoires et des plaidoiries. Oui. Je ne vais pas y revenir, mais voilà un sujet qui pourrait donner lieu à petite dizaine de pages de développement d'un mémoire. Et nous n'aurons pas l'occasion de le faire. Alors, madame, je vais déjà prendre la première partie de ce que nous venons d'entendre dans cet entretien de mars 2008 avec l'enquêteur du procureur. Vous vous êtes entendu, je pense. Vous dites que la session de formation donnée par M. Kyiv-Sampson était en 1976. Vous l'avez d'ailleurs confirmé à M. le procureur, et puis vous avez d'ailleurs commencé à me le confirmer lorsque j'ai entamé mes questions. Donc, madame, je vous le redemande à nouveau. Quelle est votre déposition aujourd'hui à cette part au sujet de la date à laquelle vous avez assisté à une formation ? Qu'aurait donné M. Kyiv-Sampson ? Training session led by Kyiv-Sampson. It was a long time ago, cela so remonte my à longtemps. Recollection may not be precise. Peut-être and que mes souvenirs this, ne sont pas précis. Comme je l'ai sessions. Dit, il y a eu deux sessions d'études. In the first study session, durant la première, there was no talk about the treacherous on n'a pas network, parlé and de the réseau talk was de only in the mais second session on en a parlé the treacherous network in que the north lors zone. De la deuxième session. And là, it was on a not parlé mentioned in des the first study session de la zone all. Nord, mais pas du tout à la première session d'études. President, thank le you, président. Counsel and merci, witness. The time is appropriate for a short break. We will take a break and return at 3 p.m. Jusqu'à 15 court officer, please assist the witness during veuillez the break. Vous occuper du témoin pendant la pause. And have her return to the et court room ramener at 3 le témoin p.m. dans le prétoire pour 15 heures. Suspension d'audience. Some culture.